Michel est un spectateur. Défis sécuritaires, enjeux économiques, enjeux politiques, enjeux sociétaux, autant de dimensions qui sont souvent évoquées lorsqu'on parle de l'Afrique. Alors, une question se pose, comment peut-on faire pour réussir à changer, à inverser ce paradigme, à agir sur la perception que l'on a du continent africain, mais aussi de ses acteurs? Autant de questions qu'on va essayer d'aborder ensemble avec des experts, vous allez voir, de haute qualité, qui ont tous la particularité d'exercer leur métier depuis déjà de nombreuses années. Je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue pour cette session qui est organisée dans le cadre de l'African Communication Week 2021, une session qui marque la cinquième édition de cet événement auquel Global Mind Consulting a énormément de plaisir à participer chaque année. Je suis Seyna Boudia, CEO du cabinet Global Mind Consulting, présent en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, sans plus tarder, je vais introduire mes intervenants. Benjamin Mampouya, tu es CEO de la Compagnie Générale de Communication et tu es également le fondateur d'une plateforme dont tu vas nous parler, Clips. Bonjour Sénabou, bonjour tout le monde. Bienvenue et merci d'être avec nous. Moussa Kourou Diop, tu es Digital Communication Experte. Tu exerces déjà depuis de très, très nombreuses années. On le verra tout à l'heure dans notre discussion. Tu fais partie de ces pionniers qui ont investi et qui ont misé sur le digital en pensant que c'était le ou l'un des moyens indispensables sur lesquels il fallait aussi pouvoir s'investir. On va en parler et tu vas me dire en quoi ça a évolué tout ça aujourd'hui. Merci d'être avec nous, Moussa Kourou. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, Seynabou. Bonjour, Benjamin. Bonjour Et à tout le monde. merci beaucoup. Alors, Michel Lobé, naturellement, on ne te présente plus. Tu es le rédacteur en chef de Forbes Afrique. Merci de répondre présent à cette invitation. On verra avec toi, à travers tes très nombreuses années d'expérience dans la presse, dans les médias, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui agir et influencer cette perception sur l'Afrique, comment l'information contribue aussi à nourrir, à alimenter ce changement de narratif. Merci d'être avec nous, Michel. Alors, on va commencer. Benjamin, donc je disais, tu es cofondateur donc de cette agence de communication, la Compagnie Générale de Communication, qui travaille entre Paris et Dubaï, qui intervient beaucoup sur l'Afrique. Tu accompagnes beaucoup d'entreprises, d'organisations dans leur stratégie de communication. Tu les aides à bien investir dans leur communication. Est-ce que c'est facile de convaincre ces entreprises, ces organisations d'investir dans la communication, à la fois comme un élément à part entière de la stratégie de développement qu'ils se fixent, mais aussi comme étant un levier financier où il ne faut pas juste prendre les derniers sous qui restent quand on a fait déjà tout le reste. Déjà, je commencerai par dire que l'approche est différente si on parle d'institutions ou d'organismes occidentaux ou si on parle d'institutions d'organismes africains. J'ai tendance à dire que les deux ont en commun qu'ils veulent tous qu'on parle d'eux. Que ce soit à la télé, à la radio ou dans les réseaux sociaux, ils veulent tous qu'on parle d'eux. Mais l'approche derrière est différente. J'ai tendance à dire que ce n'est pas le même métier. Lorsqu'on conseille des structures occidentales, là c'est en train de changer parce que nous, les agences, on est en train de faire un gros travail dessus. Mais il y a encore quelques années, lorsqu'on accompagnait des structures occidentales à communiquer sur les territoires africains auprès des cibles africaines, elles n'avaient qu'une envie, c'est surfer sur l'Afrique. C'est en fait que leur nom soit rattaché à l'Afrique. Et nous, entre nous, on a tendance à généraliser en disant que les marques occidentales veulent s'africaniser. Ça veut tout rien dire, mais on comprend un peu ce qu'elles veulent dire par là. Et dans l'autre sens, lorsqu'on travaille avec des acteurs africains, eux, ils n'ont qu'une envie, c'est qu'on parle d'eux dans les médias européens. Peu importe ce qu'on dit, bien ou mauvais, et la nuance, elle est vraiment importante parce que, en fait, le plus important pour eux, c'est qu'on parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une interview à TV5, même si l'interview n'est pas bonne, il est content parce qu'il est passé à TV5 et il dira que c'est la journaliste qui n'était pas au niveau. Donc, en fait, il y a toujours ce besoin-là de parler. Mais là où nous, les agences, on a des difficultés, c'est à imposer ce qu'on appelle nous la stratégie, en fait. Ça veut dire que c'est bien beau qu'on parle de vous, mais il y a une finalité derrière, en fait. Il faut que la communication serve à un objectif. Moi, j'ai tendance à dire business. Il faut qu'on communique pour qu'il y ait derrière, il y ait un intérêt business et en termes d'image. Et ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'est pour ça que nous, qu'on a créé l'agence il y a un peu plus de 3 ans,
On avait vraiment cette volonté-là d'apprendre aux marques occidentales en leur disant que vouloir s'africaniser, c'est bien, ça parle d'un, c'est un bon sentiment, mais c'est pas ce qu'aujourd'hui la cible africaine demande. C'est qu'en fait, comme il y a quelques années, toutes les agences qui opéraient sur le continent étaient des agences lancées par des occidentaux, ils avaient tendance à dupliquer les modèles qu'on applique en Europe, à aller faire la même chose en Afrique. Alors que nous, on disait non, le public et le contexte est différent. Donc en fait, il faut que ce que nous, on vend, c'est l'engagement. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes présent en Afrique, il faut vous engager auprès des publics, auprès des populations. Dire que vous êtes la meilleure boisson ne suffit pas en fait. Il faut expliquer pourquoi votre boisson est intégrée dans l'économie, dans le développement global de l'Afrique. C'est ça en fait qu'on essaie de vendre. C'est ce qu'on appelle vraiment l'engagement. Et ça, les marques occidentales ont du mal à le comprendre parce que déjà, ça se ressent au niveau des budgets. La question du est-ce que c'est difficile, ça veut dire que moi, je ne vais pas citer la marque, hein, mais il y a quelques années, on s'occupait d'un gros groupe français qui était présent en Afrique. Et vraiment, pour vous dire les vrais chiffres, hein, pour communiquer sur la France, on avait 8 000 euros de budget RP. Et pour communiquer sur l'Afrique, les 54 pays, on avait 4 000 euros. Donc, comment leur expliquer que pour un pays, vous dépensez 8 000 euros et pour 54 pays, vous nous donnez 4 000 euros? Mais parce que pour eux, en fait, c'est ça. L'Afrique, c'est un pays, c'est un continent. Donc, le fait d'avoir un article, ça leur suffit. Et à contrario, quand on leur dit qu'il faut travailler sur les messages, sur les contenus, sur les engagements, oh, on a déjà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment, comme je dis, c'est difficile dans le sens où nous, on a un travail à justifier notre travail et à intégrer ce côté-là qu'on est là pour vous aider à mettre en place des vraies stratégies de communication, que ce soit pour les boîtes africaines qui veulent être visibles en Europe et qu'on ne dise pas n'importe quoi sur vous, parce que c'est important en fait, il ne suffit pas d'être là. Et dans l'autre sens, les sociétés occidentales, ce n'est pas parce que vous êtes en Afrique que vous avez gagné en fait. Il faut en fait créer cette forme d'appartenance et d'engagement envers les populations, les publics que vous ciblez. C'est un petit résumé assez rapide en fait de ce que nous on voit aujourd'hui. Et oui, je vais te dire oui, L'enjeu est là. c'est Il y a vraiment vraiment. cette différenciation entre sociétés, structures internationales qui veulent graviter ou qui veulent se développer sur l'Afrique et ces entreprises africaines qui ont une approche peut-être différente avec la communication aussi. Exactement. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je me tourne vers toi, Moussoukourou. Alors, tu es une experte de la communication digitale et de l'influence, hein, finalement, avec une communauté de près de 30 000 personnes qui te suivent sur les plateformes. Tu es ce qu'on appelle une Africtiviste. Et même depuis Washington, où tu rayonnes aujourd'hui, ben, tu continues à développer des stratégies médias, aussi bien pour l'AFC que justement sur les sujets où tu es très engagé, on le voit à travers tes différentes publications sur les réseaux sociaux. Alors, avec toutes ces belles réussites, notamment dans tes débuts dans le digital, finalement, quand on dit, on a tendance à dire aujourd'hui, qu'aujourd'hui le digital est vraiment la plateforme dans laquelle tout le monde doit être présent, c'est devenu un incontournable de la communication. C'était pas tout à fait le cas à tes débuts. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis en train de rire parce que avec le temps, c'est rigolo, je vais dire. C'est un peu drôle, désolé. Bonjour à tout le monde encore, à mes copanélistes, ravi de vous rencontrer en ligne. En fait, voilà, c'est une question qui me pousse encore et encore à croire en mes rêves, hein, et à encourager les plus jeunes à ne pas se décourager. Donc, quand je suis entrée dans le digital, moi, je suis ingénieure en informatique, donc je suis entrée dans le digital par accident, je vais dire, entre guillemets, parce que j'ai rencontré un monsieur qui croyait en la communication digitale dans les années 2010-2009 et qui m'avait contactée pour me dire de faire ce qu'on appelle du social media management maintenant pour une grande entreprise de la place. Mais avant cela, moi, j'étais déjà sur les réseaux sociaux pour poster, pour partager, couvrir certains événements sans même savoir que c'était un métier ailleurs, parce que ce n'était pas encore un métier en Afrique. Et donc, quand j'y ai cru et que j'ai commencé à aller voir les clients, ils me disaient que je m'amusais sur les réseaux sociaux, que Facebook, c'était pour poster des photos et retrouver des amis. Mais ce n'était pas du sérieux. Et donc, j'étais vue comme une fille, une jeune femme pas sérieuse qui proposait à des patrons de s'amuser sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était au fond de moi, j'y croyais.
parce que je voyais l'influence et comme l'Internet nous permet d'atteindre, d'aller loin sans bouger de chez nous. Donc, je voyais ce qui se passait ailleurs et je me disais, on est capable de faire pareil. Et quand j'expliquais, c'était du genre, non, no way, restez là-bas avec vos likes et vos partages, nous, on ne veut pas. Et donc, c'était à force d'y croire qu'on a réussi à convaincre beaucoup de personnes. Mais c'était très compliqué au début. Je pense que Benjamin, tout à l'heure, a donné un peu les différences qu'il y avait côté budget, côté vision. Et c'est tellement rafraîchissant de voir que les réticents d'hier sont les actifs d'aujourd'hui. Et moi, je suis très contente. Et c'est pour cela que je n'arrête pas de dire aux jeunes, croyez en vos rêves et surtout à tout le monde. Hein, quand on est passionné par quelque chose, allez-y. Peut-être qu'un jour, les gens vous rejoindront. Et moi, j'ai été contactée par un rêveur qui m'a convaincue que c'était possible et j'ai continué sans me décourager. Mais des fois, entre nous, c'était compliqué des fois d'avoir les réponses qu'il fallait parce que c'était du genre, comment je vais vendre, moi, sur Internet? C'est juste poster, les gens vont liker, mais comment je vais vendre? Et nous, on était en train de convaincre, mais ce n'était pas suffisant. Je pense qu'il fallait un peu de baraka des fois pour les convaincre. Et maintenant, voilà, on voit où on en est et on voit que ça bouge de partout. Maintenant, pour moi, il faut plus de réorganisation et aussi encore plus encourager les gens à être actifs, mais aussi à savoir que c'est possible d'avoir une bonne communication en ligne et d'être bien organisé et de les convertir. Merci. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Alors, je rappelle qu'avant ça, tu avais été aussi un responsable de la communication numérique pour la FAO. Donc, j'imagine qu'à cette époque-là, c'était peut-être quelque chose d'assez nouveau. De pouvoir de dédier un poste, une fonction à la stratégie digitale. Et tu nous diras après quelles ont été les recettes que tu as utilisées. Et finalement, aujourd'hui, pour les organisations africaines, les institutions africaines, quelle est la meilleure stratégie d'investissement sur le digital? J'aimerais beaucoup que tu puisses nous entretenir là-dessus. Alors, je me tourne vers Michel Lobé, rédacteur en chef de Forbes Afrique, journaliste chevronné, passionné d'Afrique. Tu mets un point d'honneur, Michel, à faire briller ses talents, ses acteurs de la transformation économique de notre continent pour inspirer aussi les nouvelles générations. Alors, moi, j'ai une question qui me vient assez naturellement pour toi, Michel. On a souvent parlé de cette image que le continent africain véhiculait, la manière dont les autres en parlaient, probablement aussi parce que les Africains gagneraient à mieux se positionner dans leur manière de conduire et de compter leurs propres histoires. Comment est-ce que tu vois l'évolution de ce narratif africain, notamment via le prisme des médias? Alors, le micro, on va activer ton micro. Hop, il faut que tu actives ton micro pour qu'on puisse t'entendre. Super. C'est bon? Voilà. Oui, alors, j'ai dit, le narratif africain, il est, quand on parle, ça semble évident de raconter les histoires, de les mettre en évidence, de trouver des personnes inspirantes, de parler des histoires des pays, des entreprises. Mais sur le terrain, ce n'est pas toujours aussi simple parce que c'est vrai, on peut avoir tendance à confondre la com et l'information. La com, c'est ceux qui, effectivement, les institutions, les organisations, les États qui veulent se faire valoriser, qui veulent donc polir leur image. Et comme narratif, ce n'est pas toujours la meilleure façon d'exciter, d'être sexy, si je peux m'exprimer ainsi. Mais en même temps, il y a une difficulté dont cette histoire de narratif à trouver des institutions qui soient prêtes à communiquer, des gens, des personnes qui sont prêts à raconter leur histoire. Et je vais prendre l'exemple d'un très bon exercice qu'on a fait, qui est le classement des milliardaires africains. C'est vrai que, en termes de narratif, c'est très fort. Ça donne effectivement une image d'une Afrique de plus en plus ouverte, de plus en plus dynamique sur le plan économique et financier. Mais pour y arriver, d'obstacles, en tout cas en Afrique francophone. Les personnes
qui sont prêtes à communiquer et justement à donner des informations, elles sont rares. Et nous avons dû batailler, mais vraiment, avec beaucoup d'astuces pour avoir des informations. Si vous allez au Nigeria, si vous allez au Kenya, en Afrique du Sud, les milliardaires affichent leur fortune. Ils sont cotés, leurs entreprises sont cotées en bourse. Les informations donc économiques et financières existent. En Afrique francophone, non. Et vous allez voir les gens, ils ne vous donnent aucune information. Souvent même, ils vous menacent de poursuite si vous publiez des informations pour révéler leur richesse. Et donc, nous avons fait un peu un viol de la confidentialité. Et ce qui est important dans l'histoire, c'est qu'après coup, 2, 3, 4 ans après, 5 ans après, les gens se rendent compte que les acteurs, ces acteurs que nous avons mis sur la place publique, se rendent compte que c'est utile pour eux, pour leur business, pour leur image personnelle. Et plus globalement, c'est utile pour justement donner une meilleure image de l'Afrique dynamisante, moderne, qui se vend positivement. Donc ça, c'est un petit exemple. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours évident, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont cachées et qui sont pourtant valorisantes. Et il y a beaucoup de com. Je ne veux pas dire que la com n'a pas d'importance. La com est très importante, mais elle doit justement se conjuguer à l'information, être plus intelligente. Et je crois que le digital permet cette intelligence-là pour raconter de meilleures histoires, pour être plus, je dirais, un peu plus transparent et donner justement une meilleure image, une image plus moderne, plus positive de l'Afrique. En Afrique francophone, on entend souvent cette phrase « l'argent n'aime pas le bruit ». Exactement, l'argent n'aime pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit, alors j'imagine que ça ne doit pas être évident, nous-mêmes on le vit en tant qu'accompagnateur de ces acteurs de la communication, essayer de les convaincre d'investir dans leur communication et de jouer cette carte de la transparence, parce que souvent, comme tu le rappelles, elle est payante. Alors, on a dans cette discussion une deuxième partie que je voudrais qu'on consacre un peu aux solutions. Par rapport au thème que nous avons aujourd'hui, celui qui nous préoccupe, un nécessaire investissement, la communication pour l'Afrique, ça soulève plusieurs volets. Le premier volet qu'on a commencé un petit peu à évoquer là, c'est celui des organisations, des entreprises qui finalement le comprennent comme étant peut-être une partie à part entière de la stratégie de l'organisation qu'il gouverne, qu'il gère, mais il y a également les pays. Et ça, j'aimerais qu'on essaie de revenir un petit peu là-dessus. On a vu certains exemples, comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, investir massivement dans des stratégies de communication pour vendre la destination, pour l'imposer d'abord sur une stratégie de positionnement. J'aimerais avoir un petit peu à tous les trois, par rapport à vos domaines de compétences respectifs dans la communication, votre regard par rapport à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, les États, nos États, peuvent faire l'économie d'investir dans une vraie stratégie de positionnement, voire de repositionnement pour les États qui sont, j'allais dire, un petit peu les plus écornés en termes d'image, précisément pour accompagner le développement de ces pays-là. On peut peut-être commencer avec Benjamin. Moi, j'ai souvent tendance à dire que tout part du boss. C'est-à-dire que lorsqu'une entreprise veut communiquer, faire des recrutements, ou en fait, c'est le président, le capitaine du bateau qui donne le cap. Et j'ai envie de dire que pour les pays, c'est pareil. Un pays ne peut pas communiquer et se vendre à l'international si le président ou les leaders du pays n'a pas cette appétence et n'a pas compris l'enjeu majeur de se vendre à l'international. Et aujourd'hui, le problème de nos États africains, c'est que beaucoup de présidents n'ont pas ce besoin-là. Moi, je prends souvent l'exemple de la RDC. Il y a la communication de Kabila, la communication de Tshisekedi. On a beau dire ce qu'on veut, il y en a un, on le voit partout dans les conférences, il parle. Il y en a un autre, il a dû accorder 3 interviews en 10 ans, 8 ans. C'est ça, en fait. Et il y a d'autres exemples à côté, comme le Rwanda, où il y a une communication forte qui est faite autour de la marque Visiter le Rwanda, que ce soit avec le PSG, notamment dans le foot ou Arsenal. Ils vont dans des milieux qui ont populaires, qui permettent en fait à des gens qui ne connaissent pas l'Afrique et le Rwanda de situer le Rwanda sur une carte. Tout à l'heure, tu as pris l'exemple du Maroc.
Le Maroc, c'était une stratégie qui a été mise en place depuis des années et sur lesquelles même les Marocains de la diaspora se greffent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'être Marocain, c'est devenu un passeport à l'international. Les gens sont fiers de dire qu'ils sont Marocains parce qu'il y a, en fait, il y a quelque chose qui a été mis en place autour du gouvernement, que quand tu es un Marocain qui est à l'étranger, on te fait comprendre qu'on ne t'a pas oublié. Donc voilà, donc je pense que les États africains ne doivent pas faire l'économie, parce que tout à l'heure Michel parlait de storytelling. Le problème qu'on a aujourd'hui avec le storytelling, c'est qu'il n'y a pas de storytelling inventé par des Africains, pour des Africains, avec la perception des Africains. C'est-à-dire qu'en fait, on nous raconte une histoire de celle que les Occidentaux aimeraient avoir de l'Afrique. Mais non, en fait, là, l'idée, il faut qu'aujourd'hui, nos États, c'est eux qui doivent lancer, communiquent sur leur Afrique à eux, leur continent, leurs valeurs, leurs champions nationaux, ça passe aussi par là. Ce n'est pas uniquement dire « venez chez nous, il fait beau, il y a du soleil, on mange bien ». C'est aussi dire « venez chez nous, il y a du business à faire, on a des entreprises sur lesquelles on peut s'appuyer, on a des champions nationaux qui peuvent rayonner d'un point de vue régional ou d'un point de vue international ». Donc, c'était vraiment ça. Je pense qu'il n'y a pas d'économie à faire, mais il faut vraiment que ça parte de là-haut, en fait. Il faut qu'au-delà, il faut que le chef de l'État et les leaders du gouvernement comprennent qu'il faut que le pays s'ouvre pour attirer les investisseurs, pour attirer le grand public et surtout situer le pays sur une carte. Hein. Mais est-ce que tu as utilisé le terme tout à l'heure, et je pense que c'est important, le mot de stratégie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression qu'on ne devrait pas davantage investir et prendre du temps, juste du temps, pour se concentrer et se dire, OK, c'est quoi nos atouts différenciants pour nos pays, et quelle est la meilleure manière de les vendre, de les mettre en avant pour justement accélérer l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés. Est-ce qu'il y a vraiment cette stratégie, et quand c'est le cas, est-ce qu'ils sont bien accompagnés, c'est-à-dire par les bons acteurs, ceux qui connaissent, ceux qui perçoivent, ceux qui mesurent les réalités, les spécificités du pays en question? Mais là, ça rejoint un point qu'on abordera tout à l'heure, qui est la question de la formation. Aujourd'hui, les plus grosses agences qui accompagnent les États sont des agences occidentales. Il y en a quelques-unes africaines qui le font, notamment en Côte d'Ivoire, il y en a qui sont très bons, mais la plupart des agences sont occidentales. Et c'est elle, en fait, qui accompagne aujourd'hui ces pays-là. Il suffit de voir quels sont les pays aujourd'hui africains qui communiquent très bien. Il y en a très peu. Et comme j'ai envie de dire, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il faut communiquer pour un objectif business. C'est-à-dire que lorsqu'un État communique, c'est pour développer ses investissements extérieurs, c'est pour développer… Attirer les investisseurs. Voilà, attirer plus d'investisseurs. Le Maroc communique beaucoup sur le tourisme, parce qu'aujourd'hui, le tourisme est un point clé du business aujourd'hui. Donc, ça dépend vraiment de tout ça, en fait. Il faut vraiment prendre conscience que la communication doit servir les intérêts du pays, aussi bien en termes d'image qu'en termes d'investissement. Et là, il y a effectivement des stratégies à mettre en place. Mais le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on fasse, nous, un travail en tant qu'Africains. Ça revient un peu sur vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'il faut que nous, les Africains, fassions un travail de monter en compétences pour que nos États racontent à l'extérieur les histoires qu'on veut qu'ils racontent sur nous, en fait. Et qu'on ne raconte pas les histoires qui vont attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le cas actuellement, quoi. Alors, je me tourne vers toi, Michel. Forcément, tout ce qu'on est en train de dire, ça suppose aussi d'avoir des médias forts, et notamment des médias africains. Je pense qu'on n'est pas, en 2021, censé continuer à devoir traverser la mer Méditerranée pour aller communiquer sur d'autres médias et expliquer ce qui est fait chez nous. Est-ce qu'aujourd'hui, on a ça? On l'a vu avec beaucoup d'États, notamment, je pense à des grands médias comme Al Jazeera, Russia Today et autres. Ça fait partie intégrante de cette stratégie pays d'avoir des médias forts. Ils ont compris cet investissement. Où est-ce qu'on en est? Quid de l'Afrique et des médias africains? Est-ce qu'on a aujourd'hui des champions africains des médias capables de véhiculer et de diffuser cette histoire et ce narratif africain et de raconter ce que nous souhaitons mettre en avant? Bon, moi, je dirais non. On n'a pas de médias qui aient une portée, qui aient une voix sur l'international. Il y a des médias qui sont des médias d'État, qui sont nationaux, donc qui ont une audience nationale. Les quelques expériences de médias avec des capitaux publics qui ont tenté une expérience internationale se sont cassés les nez. Bon, je prends un exemple qui n'est pas véritablement un média public, c'est Africa 24, mais qui a été financé largement par Lui, qui est un compatriote, qui a créé cette chaîne
a voulu développer un modèle dans lequel les États, il devait fédérer des États africains autour du projet, c'est-à-dire qui rentrerait dans le capital. Il n'y a que deux États qui ont accepté le modèle, c'est d'ailleurs la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et lorsque la Guinée équatoriale, qui était quand même le plus grand sponsor de la chaîne, s'est retirée, la chaîne s'est effondrée. Donc, il n'y a pas de médias. Mais je reviens un peu en arrière, parce que pour vendre un pays, pour vendre une image positive d'un pays, il faut qu'il y ait des éléments dans le pays qui puissent être mis en avant. Or, dans beaucoup de nos pays, la communication se résume à la réaction, de réagir lorsqu'il y a des élections, par exemple, contestées, l'opposition qui crie, des opposants arrêtés. Il faut communiquer sur ça. Ce n'est pas forcément le meilleur matériau pour vendre un pays. Lorsqu'il y a des crises, coup d'État, lorsque l'économie bat de l'aile, etc. Donc, ce n'est pas toujours évident. Et j'ajoute une chose, parce que ça, c'est très régulier dans nos pays. Il y a cette espèce de haine de soi qui est dans beaucoup de pays. Vous irez au Cameroun, la communication négative, ce n'est pas l'étranger qui l'a faite, ce sont les Camerounais. À RDC, c'est pareil. Beaucoup de pays, c'est comme ça dit, parce qu'il y a à l'intérieur du pays, il n'y a pas de consensus national sur une idée forte qui fédère la nation, il y a des désaccords, pas un seul, il y a beaucoup de désaccords, ce qui fait en sorte que la communication n'est pas évidente. Cela dit, beaucoup d'États organisent quand même leur communication, et essentiellement, comme Benjamin l'a dit, pour faire venir des investisseurs dans le domaine de l'économie. Et ils passent par quels médias ? La presse internationale. Ils vont communiquer dans la presse française, dans la presse anglo-saxonne, la presse américaine. Par exemple, la RDC a beaucoup communiqué ces dernières années dans Forbes, l'édition américaine, notre maison mère. Ce qui prouve que même si l'image sur le plan politique peut être négative, la nécessité d'avoir des investisseurs pousse les États, et c'est sur ce plan au moins où il y a une convergence entre presque tous les États, tous se font un devoir de communiquer pour faire venir des investisseurs. C'est ça ce que je peux dire. Mais il n'y a pas aujourd'hui un média ou deux ou trois médias africains ou du coup panafricains qui feraient, à part les jeunes Afriques, qui, disons, quand même, n'est pas reconnu comme un média africain. C'est un journal français sur l'Afrique, spécialisé sur l'Afrique. Ce n'est pas un média africain sur l'Afrique, c'est un média français spécialisé sur l'Afrique. Et selon toi, l'investissement pour avoir des médias forts, il va venir d'où ? Du privé, de nos États ? Comment est-ce qu'il faudrait faire pour avoir des médias forts, si on est d'accord pour dire que c'est nécessaire ? Oui, je pense quand même que c'est nécessaire, mais bon, la difficulté, comme je l'ai dit, c'est d'avoir des médias africains qui ont une dimension et un impact sur la scène internationale. Je pense aussi que aujourd'hui, l'autre difficulté, c'est le tournant digital, qui n'est pas aussi évident. Il est nécessaire pour les organisations, il est nécessaire pour nous, les médias, mais il n'est pas aujourd'hui encore véritablement un outil qu'on connaisse, qu'on sache utiliser les États. Il faut les États, déjà, c'est des machines très lourdes, c'est l'administration, c'est souvent la bureaucratie, et à l'intérieur, même s'il y a des jeunes qui rentrent, qui connaissent comment ils vont parler au chapitre. Et comme disait Benjamin aussi, si le boss, le président de la République lui-même, il néglige cette histoire, il ne prend pas ça au sérieux, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui représente une priorité pour lui, les États ne feront pas ce qu'ils font. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos pays. Tout le monde n'est pas connecté comme Kagame, quand on regarde le champ de l'État. Tout le monde n'est pas aussi branché, même s'ils ont tous une page Facebook ou bien un compte Twitter qui est géré par des communicateurs qui les conseillent, mais qui n'est pas leur culture, qui n'est pas dans leur culture.
Exactement, ça renvoie donc à la question du leadership. Je voudrais juste, pour cette transition parfaite, me tourner vers Moussokourou par rapport au volet du digital. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous donner quelques astuces, quelques clés selon toi pour bien investir dans sa communication digitale pour que ce soit vraiment efficace et que ce soit impactant? Merci beaucoup, Seynabou. Je suis tout à fait d'accord avec mes copanélistes sur ces points-là. Et donc, je vais dire, d'abord, il faut beaucoup de créativité, comme on le dit. Malheureusement, on voit de plus en plus, comme on le dit, tout le monde, et je pense que cette période-là, cette pandémie, a amené tout le monde en ligne. Toutes les réunions se faisaient en ligne et même les dirigeants, je vais dire en général, aussi bien les dirigeants, les États, que les directeurs, que les entrepreneurs, tout le monde était en ligne pour faire justement des réunions sur Zoom. Et certains ont même changé leur façon de travailler de façon tellement brusque parce que justement, il fallait être en ligne, il fallait continuer à travailler et à vivre. Et donc, pour moi, c'est important d'investir avant tout, comme l'a dit Michel tout à l'heure, d'investir aussi et de s'organiser. Il faut investir sur beaucoup de plans. On sait que aussi bien les technologies de l'information et de la communication, pour moi en tout cas, je l'ai vu personnellement dans ma vie, c'est une opportunité pour l'Afrique, pour nous tous, mais on a besoin de s'organiser, d'investir dedans. Déjà, c'est avec l'aide, justement, je le dis à chaque fois, de nos providers d'abord, qu'on ait assez d'infrastructures pour pouvoir être en ligne. Parce que Michel le dit, Kagame est très présent, mais je donne l'exemple aussi au Sénégal, quand on a une bonne communication sur Twitter, est-ce que les personnes qui sont très loin, dans les contrées lointaines, nous lisent? Est-ce qu'ils nous suivent? Pardon? La diaspora? Voilà, la diaspora, mais aussi ici, je veux dire, en milieu rural. Il y a d'autres priorités, etc. Donc, quand on veut faire cette campagne et qu'on veut vraiment toucher tout le monde, on va dire qu'on poste des fois que pour les gens qui sont sur Twitter ou les gens qui sont sur Facebook. Et donc, il faudrait aussi voir à qui on veut parler, bien connaître son audience et aussi... prendre le temps de bien connaître ce qu'on veut vendre. Parce qu'en général, quand je dis vendre, entre guillemets, c'est vraiment dans la communication, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant. Et ça revient à la stratégie dont parlait Benjamin, comprendre son audience, comprendre aussi son produit pour savoir le vendre, même les yeux fermés. Et donc, quand on communique et quand on est, par exemple, sur les réseaux sociaux, sur les sites web et qu'on veut atteindre une certaine audience, des fois, c'est du genre, c'est du remplissage. On met la communication, on jette ça à l'audience sans pour autant leur permettre de comprendre, faire cette interaction. Je le vois souvent quand on poste ou bien quand on met un article en ligne, ça peut être sur le site de la personne qui publie, il n'y a pas beaucoup d'interactions. Les gens peuvent poser des questions jusqu'à après-demain, personne ne viendra interagir. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important quand on est prêt à faire de la communication, à accepter cette interaction, ces interactions, je vais dire, et aussi à accepter les critiques. Et donc, on le voit. Hein. Moi, je suis beaucoup... J'ai travaillé pour les deux sociétés de télécommunications au Sénégal. Et au début, c'était difficile de parler à l'audience parce que c'était du genre, si on commente, les gens vont encore plus nous tomber dessus. Mais maintenant, des années après, on a vu comment les mentalités ont changé au sein même de ces organisations. Même les leaders de ces entreprises de téléphonie mobile sont en ligne pour justement répondre. Et pour moi, c'est important d'aussi donner un bon budget à la communication digitale parce que je pense que c'est l'enfant pauvre même, Michel est en train de rire, c'est l'enfant pauvre même des fois dans la communication. Déjà, la communication, pour moi, on ne la respecte pas beaucoup, particulièrement dans nos contrées. C'est du genre, on va donner quelques restes à la com, débrouillez-vous. Je vois beaucoup de personnes qui travaillent dans la com qui luttent pour avoir de bons budgets.
Et donc, n'en parlons pas hein, de la communication digitale, parce qu'on pense que c'est juste tweeter, faire quelques créas, et c'est bon. Alors que derrière, il y a vraiment un vrai travail à faire. Des stratégies vraiment à dessiner et des contenus à créer. Donc, tout ça, ça prend du temps. Exactement. Alors, il y a un dernier point que je voudrais qu'on aborde impérativement, parce que je voudrais qu'on ait quand même le temps de prendre au moins deux questions des personnes qui nous suivent actuellement et que je remercie au passage. C'est celui de la formation, que ce soit sur le volet de l'information au niveau des journalistes, que ce soit au niveau du digital, qui est un métier à part entière. Donc, les community managers, c'est des gens qui sont quand même formés et qui savent exactement quelles sont les techniques, quelles sont les stratégies à adopter. C'est également le cas dans notre métier, Benjamin, au niveau de la communication. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer et investir de manière plus efficace dans la formation à nos métiers? Je voudrais vous entendre juste très rapidement là-dessus, avant de passer aux questions et avant de clôturer cet échange qui, j'allais dire, pourrait encore bien durer. Et puis, Benjamin, j'aurais aimé aussi que tu profites de cette occasion pour nous parler d'outils efficaces qui nous permettent de mesurer la qualité des communications qui sont adressées. Je pense notamment à la plateforme Clips que tu viens de créer. Déjà, pour parler de la formation, je veux dire, en fait, ça englobe un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Parce que Michel, tout à l'heure, parlait du besoin aujourd'hui de plus communiquer dans les médias. Et j'ai envie de dire aussi, ça vient de nous, les communicants. À savoir que beaucoup de communicants aujourd'hui sur le continent n'ont pas la pleine mesure de tous les métiers inhérents à la communication. C'est-à-dire que soit les affaires publiques, soit la communication de crise, que ce soit le digital, que ce soit le storytelling, que ce soit la stratégie, en fait. Beaucoup de gens pensent que communiquer, c'est un seul métier, en fait. Donc, il y a plusieurs variantes. Et l'idée, c'est déjà, nous, en tant qu'agence, apprendre à nos clients qu'il y a différents types de communication, que nous, on aide nos partenaires locaux ou nos employés à nous-mêmes à les former aux différents métiers, parce qu'il n'y a pas d'école de communication en Afrique. Il y en a très peu. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. Donc, si l'État ne le fait pas, comme j'ai envie de dire, c'est à nous, les agences, de nous unir, notamment ce qu'on fait aujourd'hui à travers l'Africa Conduit, c'est de nous unir entre nous et aider les autres agences et les communicants nouveaux qui arrivent sur le secteur à se spécialiser dans des domaines. C'est ça qui est l'avantage qui fait qu'on est bon dans la com. Si on peut faire, on ne peut pas tout faire nous-mêmes. Il ne faut pas dire qu'on sait tout faire. Moi, je suis très bon en stratégie et en relations publiques, mais je suis incapable de gérer des comptes Twitter, parce que ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais il y a c'est des... C'est pas faire ce que nous secourons, c'est faire. Chacun son métier, exactement. Donc, c'est pareil, il y a également intervenir sur le contenu, il y a également intervenir sur l'achat d'espace. Là, ça revient un peu à la question de ce que disait Michel, j'essaie vraiment d'être très, très court, c'est que aujourd'hui, les médias, on peut créer des médias forts en Afrique si nous, en tant qu'agence, on réoriente les budgets. Lorsque des clients viennent nous voir et qu'ils nous disent qu'on veut faire de la publicité, au lieu de les envoyer chez Jeune Afrique, chez France 24 ou chez je ne sais qui, on peut très bien leur dire arrête de communiquer chez Jeune Afrique, communique chez Abidjan.net, communique chez Forbes Afrique, communique chez Le Soleil. C'est à nous aussi de leur dire que... Avec qui les orienter. Voilà, les orienter. Donc, c'est vraiment, comme dit, c'est nous les agences qui nous doivent monter en compétences, que ce soit dans notre manière de travailler, dans notre manière d'appréhender le métier et de conseiller nos clients, et aussi dans nos outils. Nous, comme tu disais tout à l'heure, on a créé un outil qui s'appelle Clips, tout bêtement parce que moi, j'ai été dans des agences françaises pendant de nombreuses années et on avait des fichiers presse des journalistes. C'est-à-dire que moi, si je voulais envoyer un communiqué de presse aux journalistes environnement, je ne les appelais pas tous. J'allais sur la base de données, j'avais 200 ou 300 journalistes environnement et je les contactais. Mais en Afrique, ça n'existait pas. Donc, l'idée, c'est ça. Ça veut dire que déjà, professionnaliser nos métiers. Donc, on a créé cette plateforme qui permet de diffuser des communiqués de presse et d'avoir accès à des bases de données assez exhaustives de journalistes parce que ça nous aide, en fait. Ça nous permet de ne pas perdre de temps à chercher les journalistes parce que la base de données existe et plutôt le consacrer dans la stratégie, dans l'accompagnement, dans la valeur ajoutée qu'on peut apporter aux clients pour qu'ils communiquent mieux, en fait. Donc, j'essaie de faire très court, je suis vraiment désolé. Merci, Benjamin. Je me tourne vers toi, Michel, rapidement. Selon toi, comment est-ce qu'on peut améliorer aussi la formation de ces confrères journalistes qui font un travail extraordinaire, souvent dans des conditions qui ne sont pas très évidentes, mais comment est-ce qu'on peut leur permettre justement d'être mieux outillés pour pouvoir exercer leur métier? Oui. Bon, moi, j'insisterai sur un point qui me semble essentiel dans cette période là où il y a un grand tournant avec la digitalisation. Beaucoup d'écoles de journalistes ne sont pas encore
ne se sont pas encore mis à cela. C'est-à-dire qu'il faut, dans leur filière, dans leur formation, qu'ils intègrent à part entière les métiers du web journalisme. Et cela est vraiment nécessaire, d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, bien avant même la crise de la Covid, là, il y a eu cette concurrence, je dirais, des réseaux sociaux qui ont tué beaucoup de journaux, de médias. Et aujourd'hui, la nécessité s'impose pour tous les médias, que ce soit les chaînes de télé, les radios, la presse écrite, d'avoir une vraie stratégie digitale. Et elle passe par des journalistes bien formés et qui maîtrisent les outils du digital. Donc, mon message, c'est que les institutions et les écoles de journalisme investissent dans ce créneau pour la formation. Excellent. Merci beaucoup, Moussou Kourou. Comment faire en sorte d'avoir des professionnels de la communication digitale en un mot, avant de conclure cette session? Oui. De toute Merci façon, les échanges vont poursuivre. Hein, s'il y a des questions, des réactions, je suis sûre que Benjamin, Moussou Kourou, Michel seront très heureux de continuer à y répondre. Et l'intégralité de cette session sera également partagée sur les réseaux sociaux pour poursuivre l'échange. Merci beaucoup. En fait, je voulais juste aussi parler des différences qu'il y a côté communication en Afrique. Comme on le sait, hein, ça bouillonne beaucoup en Afrique francophone, mais ça bouillonne encore plus en Afrique anglophone. On le voit quand on fait des stratégies, c'est différent, les réactions sont différentes. Et pour moi, c'est important aussi de former. Je me rappelle au Sénégal, au début, quand justement on était tous en ligne et qu'on commençait à faire comme les journalistes, il y avait une petite confrontation entre journalistes et blogueurs. Maintenant, je suis très contente de voir que beaucoup de journalistes mettent carrément journaliste blogueur ou bien ils mettent journaliste et communication en ligne. Parce que justement, pour moi, c'est une complémentarité. Et je le dis souvent, les blogueurs, des fois, n'ont pas une formation en journalisme. Et les journalistes ont une formation en journalisme qui leur permet d'analyser les informations et donc avoir justement des journalistes qui sont aussi bien en ligne, qui communiquent très bien, c'est un plus. Et je donne l'exemple, par exemple, du CESTI. Beaucoup de travaux en amont ont été faits grâce à M. Yaï Mamadou qui maintenant même a intégré des filières sur le digital, justement la communication en tant que journaliste. Le CESTI, c'est le centre qui forme beaucoup de nos journalistes au Sénégal, et donc c'est important de former. On reçoit aussi beaucoup de demandes de personnes qui n'ont pas de formation dans le journalisme, qui n'ont pas non plus de formation dans la communication, mais qui veulent être formées sur la communication digitale. Et donc, il y a des écoles qui essaient d'ouvrir ces filières-là, mais il y a encore beaucoup de choses à organiser et je pense que ce serait bien de formaliser ce domaine et d'aider les gens qui veulent se former dans ce domaine à être formés et aussi au niveau des rédactions, que justement les chefs, je vais dire, je ne sais pas comment on les appelle, que ces chefs de rédaction aident aussi les journalistes à être encore plus pertinents en ligne, parce que des fois, ça va tellement vite sur Twitter, c'est le lendemain qu'on voit les choses en ligne, c'est pour cela qu'ils ont compris, ils sont tous sur Twitter et essaient de faire un bon travail avec les moyens du bord. Donc, ça doit continuer. Les défis sont nombreux, mais je pense qu'on tient le bon bout, incitons à davantage investir dans la formation. La formation continue pour ceux qui sont déjà en poste et en fonction et qui travaillent déjà, mais aussi prendre le temps pour nous, professionnels de la communication, d'aller expliquer, partager nos métiers, l'existence de ces différents métiers auprès des jeunes générations qui sont actuellement sur les bancs et qui seront les communicants de demain, les journalistes de demain. Il me reste à vous remercier infiniment. J'aurais pris beaucoup de plaisir à poursuivre cet échange et à vous écouter parce que tout ce que vous avez dit est extrêmement enrichissant. Je vous remercie infiniment pour vos contributions, pour la richesse de votre partage cet après-midi, ce matin. Je remercie l'ensemble des organisateurs de l'African Communication Week, l'équipe de Global Mind Consulting qui nous a aidés à préparer cette session sur comment investir dans la communication.
comme un nécessaire investissement, en tout cas pour l'Afrique aujourd'hui. Je salue également l'intégralité des participants qui nous ont suivis. Je fais un petit clin d'œil à Rose Ogwebanja, qui est aussi une professionnelle de la communication et qui, je sens de toute façon, est très intéressée par tout ce qui a été dit. Les échanges vont se poursuivre. Continuez à suivre ces éditions de sessions sur des thématiques qui vont se jalonner encore jusqu'au 28 mai prochain. Africa Communication Week. Vous avez toutes les infos qui s'affichent sur l'écran. À très bientôt. Merci encore. Et n'hésitons pas à continuer à contribuer activement à changer ce narratif africain ensemble. Merci encore. Merci à toi, Sénat. Merci.